Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de renforcement musculaire de tout le corps avec un petit peu de cardio. Alors, on s'étire, on inspire, on monte les bras, on expire, on descend, on inspire et on pousse, on pousse. Ouvrez bien les genoux vers l'extérieur, sur les côtés, à 10h10. Les pointes de pied en ouverture légère. On plie. On va balancer sur le côté, pousser. Droite-gauche. On appuie. Appuyez sur votre pointe de pied, sur le pied entier. Voilà. On pousse l'épaule en même temps qu'on plie sur le côté. Hop. Inspire, expire. Allonge la taille. Serre le tour de taille. On va accompagner avec le coude. Allez, on allonge. Encore. Allongez. On va allonger le bras. Faites tourner un petit peu les épaules en même temps. Encore. Allez. Serrez le ventre. Allongez votre taille. Souriez. Encore. On revient au milieu. Pliez les deux jambes. Allez. On va basculer d'un côté puis de l'autre. Je pousse. D'un côté puis de l'autre. On pointe. Hop. Fléchissez. Tendez. Hop. Allongez bien la nuque. Tirez par le sommet du crâne. On relâche les bras. En même temps, ça fait tourner un petit peu la taille. Vous regardez sur le côté. On va en même temps plier les bras, plier. Allez. C'est fait bien. Encore. Réchissez bien les bras. On peut rajouter talon fesse, talon. Soufflez bien. Encore. 5, 6. Allez, on va lâcher les bras devant. Pousse, on allonge, on étire. Encore. Soufflez bien. Allez, j'ai de la visite. On pousse. On relâche. Encore. Allez. Soufflez bien. 5, 6, 7, relâche. Serre les jambes. 7 touch. Allez, on monte les bras sur le côté. On peut faire la même chose en levant la jambe sur le côté. Allez, poussez bien. Encore. Et on recommence. On resserre. Serre. Et en même temps, on fléchit un peu plus. Allez, on monte de côté. Voilà. C'est la même chose. Hein? Attention, on va resserrer 4 fois. 1, 2, 3 et on monte 4 fois. Voilà, super. Encore. 4 fois. 4 fois en haut. On peut le faire en deux aussi. Allez, 2. Encore. Encore, encore. Et on relâche à nouveau les bras devant. Soufflez bien. On resserre. On alterne. Juste lentement, on pousse. On allonge. On ouvre encore. Ouvrez. Allez. 5, 6, 7. On va pousser comme tout à l'heure. Pousse, pousse, pousse et ouvre. Voilà. On le refait. On pousse. Pousse, pousse. Pousse et ouvre. Encore. Ouvre. On n'en fait que deux fois maintenant. Je pousse et j'ouvre. Encore.
encore, je pousse et j'ouvre. Dernière fois, je pousse et j'ouvre, encore une fois, c'est la dernière. Et on resserre, on lâche. Allez, soufflez bien, pliez, pliez vos bras, pliez vos jambes. Encore. 5, 6, 7, on va resserrer les bras. Allez. Devant. Voilà, on va partir en faisant deux pas avec les bras droite et gauche. Encore. Encore une fois, deux fois, double double à chaque fois. Encore une fois. Attention, maintenant je continue en faisant des tout petits. Serre, serre. Serre, serre. Encore. Toujours deux pas sur le côté. On va changer le mouvement des bras. On ouvre. Ouvre, ouvre, tu restes. Tu fais des tout petits. Tu serres tes omoplates. Tu serres la taille. Allonge bien le dos. Souffle bien. Allez, on alterne les deux. Ça va faire deux fois. Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. Ouvert. Et je reste. Allez. On va avancer. J'avance. J'avance deux fois. Je vais et je recule. Un, deux, trois. Et j'avance encore. Et je recule, je reste, j'avance en même temps que je reste sur les bras, comme tout à l'heure, j'avance et je recule. Encore. Bon, ça chauffe un petit peu les épaules, c'est normal. On serre, serre, reste devant, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, encore une fois. Allez, on va alterner les deux. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre et on ferme. Et on ouvre. Et on ferme. On va relâcher les bras, relâcher les bras. Lâcher, talons, fesses en même temps. Voilà. Allez, encore, encore. Soufflez bien. On va pousser sur le côté. On va faire juste deux pas. Toujours comme tout à l'heure. Deux. 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 Et là, je vais lever la jambe. Je vais lever la jambe. Un et deux, je lève. Un et deux, je lève. Un et deux, je lève. On peut accompagner la jambe avec le bras opposé. Hein. Là, si je vais vers la droite, je vais mettre ma main droite. Et si je vais vers la gauche, je mets ma main gauche. Donc droite. Encore. Pliez. Poussez. Et là, je vais rester. Je reste. Hop, je pousse. Encore. Allez, j'en profite pour travailler le fessier et la cuisse. Hop, je serre le fessier. On fait travailler ceci en même temps. On repart. On repart. Encore. Soufflez bien. Attention, je reste. Poussez. On repart. Soufflez bien. Et on reste. Quatre fois. Et je repars. Maintenant, on va changer. Là, je reste. Et je repars. En fait, il y en a trois. Un, deux, trois. Un, deux. Voilà. Et j'allonge. J'allonge la taille. Et on va faire une petite
petite propulsion. Voilà, on appuie. Encore. Encore, encore. Soufflez bien. Encore. Appuyez bien sur la jambe. Tendez bien le bras. Poussez bien. On va changer, on va faire genou. Même chose. Et je change. Allez. Je croise. Encore. Coup de genou. Je serre le ventre. Hop, une belle rotation. On fait la même chose en ce temps. Encore. Pousse. Encore. Encore une fois. Je chasse. On peut chasser. Chasse. On continue. Et on va changer. Maintenant, on va changer. Talon-fesse. On touche le talon-fesse. On reste toujours sur le même exercice, c'est-à-dire deux pas sur le côté, trois derrière. Encore. On le fait en sautant. Allez. Je pousse. Allez, soufflez bien. Encore. Soufflez. Poussez bien. Talon fesse. Touchez votre talon derrière. Encore. Allez, on essaie de souffler. Encore. Allez, ça va monter un petit peu. On reprend au premier. Le premier. Encore. Premier exercice. Le deuxième. Genou. Allez, on reprend. Encore. Le troisième. Encore. Allez. On reprend le premier. Encore. Le deuxième. Genou. Troisième. Talon fesse. Côté. Pour le premier. Deuxième. Troisième. Talon fesse. Allez, on va essayer de mélanger les trois. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire. Côté, genou, talon, fesse. Côté, genou, talon, fesse. Genou, encore. Ah, je vous ai remercié. Encore, allez. Ha, ha, ha. Allez, les genoux. Encore une fois, genou, une dernière, et on relâche, on souffle, soufflez, ça va, on va pas relâcher les bras, on pousse vers tout pour relâcher un petit peu les jambes, on garde toujours les bras en action, on active, encore. Soufflez. Encore. Devant, je croise. Soufflez bien. Allez, on continue. Toujours pour les bras, les jambes, on croise. Montez vos coudes sans monter vos épaules. On continue, appuyez. Appuyez sur votre jambe d'appui, pliez bien. Attention à vos genoux. On fait pareil derrière. Hop. Allez, ça va tout le monde? J'espère que ça va. Allez, on continue. On va reprendre un petit peu de cardio. On alterne les bras.
Et on fait un petit kick devant, kick devant, devant. Droite, gauche. Encore. Kick. Soufflez bien. Côté. Alors si vraiment vous ne pouvez pas sauter, vous pouvez le faire sans sauter. Hop, 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 hop. Sinon, on continue en sautant. Serrez bien votre périnée, hein, surtout sur les impacts. Derrière, derrière. Je pousse mon pied vers l'arrière comme si je voulais pousser quelque chose. Allez, je souffle. Soufflez bien. Et petit twist. Twist. Allez, là je décolle un tout petit peu les orteils. Hein. Hein, faites attention à vos genoux. C'est vraiment léger, très très souple. Toujours en serrant la taille. Bougez vos coudes. Les bras devant. Très bien, encore. Allez, petit twist. Et maintenant, je repars sur mes coups de pied. Devant. Quatre fois. Quatre sur le côté. Quatre derrière. Et les twists. On le refait. Allez, devant. Côté. Derrière. Rajouter les bras, côté, derrière, et plier les bras derrière, et twist. Allez, devant, côté, derrière, twist. On peut le faire en se déplaçant. J'avance sur le kick, kick. Je reste côté. Je recule en faisant le pas derrière. Et je reste sur le twist. D'accord? On le refait. J'avance. Le coup de pied sur le côté. Je recule sur le coup de pied arrière. Attention à votre dos, serrez bien votre taille. On refait. À nouveau. Allez. Sur le côté. Derrière, je recule. Et je fais mon twist. Allez, on va souffler sur le côté. Vous imaginez que vous soufflez. Allez, normalement, ça va monter un tout petit peu en cardio, légèrement. Si vous êtes fatigué, vous marchez. Allez, on prend le bras. Monte, monte. Allonge le bras, allonge. Encore, allonge. Souffle bien. Allez, encore. Encore. Soufflez bien. Lance. Rapide. Lance. Je reste. Je reste. Je reste. Je reste rapide. Encore. Je reste. Rapide. J'avance. Rapide, je recule. Encore, j'avance. Je recule. Encore. Soufflez bien. Recule. On reste. Talon fesse. Avec une petite impulsion. Allez, je touche mon talon. Encore. Soufflez bien. Soufflez, soufflez. On va doubler. Deux fois. Deux fois. Allez. Soufflez bien. Allez, ça va monter le cœur. Si vraiment c'est trop dur pour vous, vous sentez que ça monte trop, vous ne sautez pas. Vous ne sautez pas. En un. Un seul. Un seul, en un, en deux. Un seul, quatre fois. Quatre, trois, deux, un et deux. Une dernière fois. Quatre, trois, deux,
1 et 2. Et je marche, marche, marche. Ça va? Ça va tout le monde? Soufflez, soufflez. Encore, on marche, marche, marche. On est sur le pied droit. Et je vais ouvrir sur le pied droit. J'ouvre le pied droit. Restez. Pliez vos jambes. Appuyez. Et marche. Et ouvre. Alors, on va serrer. Serre. Quatre fois. Et j'ouvre. Un, je compte. Deux, trois sur mon pied droit. Je serre. Et j'ouvre. Encore. Je peux avancer. Et reculer. Encore. On revient. On repart. On avance sur 4. 1, 2, 3, 4. Je recule. 1, 2. On va le faire sur 2. C'est mieux. 1, 2, 1 et 2. Avance. Recule. Encore. Ça fait 4 petits pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On reste. 1 et 1. Ça veut dire 1 ouvert, 1 fermé. Et c'est votre jambe droite qui ouvre, qui ferme. Vous imaginez que vous êtes sur un step et que vous ouvrez et vous fermez vos jambes au-dessus de votre step ou sur un obstacle, sur quelque chose. Hein? Vous resserrez, vous ouvrez. On va essayer de le faire en faisant plus de flexion. Plus de flexion. Encore. Pliez bien. Encore. Poussez. Encore. Pliez. Pliez bien. Encore une fois, dernière, on change de jambe. Vous allez marcher avec le pied gauche, cette fois-ci, on peut marcher avec le pied gauche ou le droit, mais là, on a le premier tempo sur la jambe gauche. Gauche. Voilà, gauche. Et j'ouvre sur la gauche, gauche-droite. Pliez bien. Encore. 5, 6, on va resserrer. Marche, marche, marche. Allez, marche. Et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Pliez bien vos jambes. On va le faire en 4. 3, 2, et 1, j'ouvre. C'est la jambe gauche. Et je referme, droite, gauche. Et j'ouvre. Celle-là. On y va. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2. On va le diviser en deux. Ça va faire. 1, 2, et j'ouvre. Si je compte sur les pas, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et encore. Encore. Allez. Encore. Une dernière fois. Avant dernière. Et dernière. Et maintenant, on ferme. Hein? On ouvre, on ferme. C'est-à-dire, j'ouvre avec le pied gauche et je ferme avec le pied gauche. Gauche, droit, gauche, droit. Pliez bien. Pliez bien. Pliez bien vos jambes. Poussez. Pliez. Pliez vos jambes. Encore, poussez bien, attention à vos genoux, ne pas avoir les genoux vers l'intérieur, ouvrez bien à 10h10, la pointe de pied, vos genoux aussi, appuyez, encore, soufflez bien, soufflez, soufflez, on revient, marche, allez, on revient, et on va fléchir, hop, deux, plie, hop, hop, ça c'est un squat, mais on va se transformer en petit saut, hop, hop, allez, ça va faire monter un petit peu le cœur,
Si vraiment vous ne pouvez pas, vous le faites juste en squat. D'accord? Et je pousse. Encore. Soufflez bien. Et je relâche. Je souffle. J'espère que ça va. Soufflez, soufflez, soufflez. On pivote sur le côté. On pivote. On pivote. On va se mettre juste un peu de profil. Un twist, jambes écart. Encore. On revient. On va se faire sur le twist. Ça va, tout va bien. On a bientôt terminé. Hop, hop, hop. Derrière. Alors ça, on va faire comme si c'était du ski de fond. Je me mets de profil, comme si je glissais les jambes derrière. Droite, gauche. Et on peut rajouter le bras devant. Soufflez bien. Et on va faire juste un petit reste. Tu restes. Hop, hop. Une petite impulsion légère. Un petit coup de poing. Soufflez bien. Encore, j'espère que tout va bien. Si c'est trop dur, vous le faites plus lentement. Pas d'impulsion. Rapide. Allez, soufflez. Allez. Encore. On va changer d'exercice. On va faire un petit talon-fesse. Enfin, talon-fesse. Talon au sol, pardon. Talon au sol. Encore. Soufflez. Laissez bien vos épaules. Monte. Encore. On relâche. Souffle. Marche. Marche. Ça va tout le monde? On revient. On ouvre. On se met en squat. En squat sous mon ouverture. Pointe de pied sur l'extérieur vers 10h10. Je pousse. Je pousse. Et je vais souffler en montant. Encore. On souffle bien. Soufflez bien. Et je reste. Et tout petit. Tout petit. Laissez vos épaules. Les bras sur les côtés. Allongez la colonne. On descend. Hop, on monte, on tire. Chut. Serrez vos omoplates. Serrez. Allongez le dos. Encore. Pliez bien. Tirez. Encore. Soufflez. Et là, je vais rester. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer mes omoplates. Faites attention à vos genoux, de ne pas les mettre vers l'intérieur. Ouvrez bien votre dos, de ne pas trop creuser les lombaires. Serrez le ventre, pas trop basculer non plus. Le bassin reste en position au milieu, ni trop en arrière, ni trop en avant. Serrez vos omoplates. Encore, plus petit. Allez, ça doit travailler les cuisses. Restez, restez pliés. Pousse. Reste plié, toujours plié, pour faire les cuisses en même temps que la taille. Soufflez bien. Allongez la taille. On va faire un peu plus bas. Coude sur la cuisse. Encore, encore, encore. Allez, soufflez. Allez, un petit peu plus bas pour que ça travaille ses cuisses. Soufflez bien. Et on revient. Tout petit, tout petit. Je vais dire on revient. Oh là là, je vais dire on revient. Allez, un dernier. Tout petit, et c'est fini. Enfin, c'est fini pour cette série. Attention. Je relâche bien. Soufflez. On va bientôt voir. On va bientôt passer au sol. Ça va. On revient. Allez. Soufflez. On relâche. On revient.
Et là, on va faire un petit dernier. C'est un squat avec un relevé de talon. Ça fait un squat sumo, sumo, et je passe vers la droite. Je vais vers la droite. Et je plie. À chaque fois, je plie mes deux jambes. Et je souffle en remontant. Et allongez le dos. On en fait encore vite. Soufflez. Soufflez bien. Pliez bien. Appuyez bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on change de côté. Pliez de l'autre côté. Attention à vos genoux. Retenez le mouvement. Ne vous penchez pas vers l'avant. Redressez-vous. Redressez-vous. Encore 8. On y va. Soufflez bien. Allez. Plus que 2. Plus que 1. Et j'alterne. Soufflez bien. Encore. Allez, ça fait pour les cuisses. Le dos est bien droit, hein. La tête bien redressée, la nuque allongée, et vous soufflez en montant. Allez, encore une série. Soufflez bien en montant, pliez. Encore 4. Attention, et je relâche. Je relâche. Je relâche. Relâchez vos jambes. Relâchez vos cuisses. Allez. On souffle un peu. On va aller boire un petit coup. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un tapis pour le passage au sol. Voilà, nous voici sur le sol pour faire la partie abdos, fessiers, cuisses. Donc vous allez vous allonger sur votre tapis. Et c'est parti. On va allonger la jambe droite. On va redresser les épaules. Faites attention, vous redressez légèrement sans tirer sur la tête. Vous aspirez votre ventre. Vous ne lâchez pas le dos. Et on va ramener le genou vers la poitrine. Et on dresse bien sans tirer sur la nuque. Et c'est parti. On pousse. Encore. Bougez pas la tête. Serrez le ventre. Aspirez votre lambeau. Juste la jambe. Encore. Fixez bien votre dos. Soufflez. Encore. Serrez bien le ventre. Serrez la taille. Et vous allez rester tout petit. Tout petit. Ne bougez pas. Ça ne veut pas bouger les lombaires. Hein. Les épaules redressées sans tirer sur la nuque. Tout petit battement. Allongez la taille, serrez et on croise. Sans tirer sur la nuque, je vais chercher le genou. Attention, la tête ne balotte pas dans tous les sens. Soufflez. Soufflez en groupant. Serrez. Attention, ne gonflez pas le ventre, hein, c'est important. Hein. Aspirez votre nombril. Encore. Encore. Et là, je vais rester des tout petits, tout petits. Je cherche avec le genou, le coude. Tirez pas sur la nuque, hein. Touche bien. Maintenant, je vais tendre la jambe et je vais chercher la pointe de pied avec le bras opposé en soufflant vers le ciel. Soufflez, serrez le ventre, hein. Aspirez votre nombril. Ne lâchez pas les reins. Soufflez en haut. Et là, maintenant, je vais rester là-haut tendu. Je fais tout petit. Hein. Tout petit. Tout petit, tout petit. Encore. Soufflez. Attention à votre tête. Et vous reposez la tête. On change de côté. On lève les épaules. On serre le ventre. On tend la jambe. C'est parti pour l'autre côté. Je ne bouge pas la tête. Je fais juste la jambe, hein. Je fixe mon bassin. Faites une position sans trop basculer votre bassin.
Essayez d'avoir une petite position neutre sans tirer sur le cou. Il ne faut pas lâcher trop les reins. Encore. Je serre le nombril. Faites attention de ne pas lâcher, de ne pas creuser vos lombaires. Et je reste petit. Encore. Je tiens la tête, pas derrière les cervicales. Un petit peu plus haut, sans forcer sur la nuque. Je croise. Soufflez bien. Soufflez. Croisez, soufflez. La tête ne balotte pas, hein. Je reste dans l'axe. Encore 8. Soufflez. Et là, je reste petit. Tout petit. Serrez le ventre. Attention, ne gonflez pas. Hein. Essayez de l'aspirer le nombril, c'est important. Serrez votre périnée aussi. Hein. Et maintenant, je tends la jambe. Je souffle. Soufflez bien en montant sans tirer sur la tête. Serrez. Allongez. Allez, chercher loin. Et je reste. Encore. Soufflez bien. Et je vais revenir, je vais alterner. Hop, droite et gauche. Attention à votre dos quand vous revenez. Les lombaires ne doivent pas creuser. Hein. Faites attention, retenez. Serrez votre tour de taille. Imaginez vraiment une ceinture autour de votre taille qui vous serre. Encore. Retenez. Soufflez en haut. Encore. On serre. Encore, encore. Allez. Soufflez encore. Soufflez en haut. Retenez un petit peu le cou. Et on revient, on croise. Croise, croise. Coup de genou. Toujours pareil. Attention quand on fait cet exercice, ne pas basculer. Il ne faut pas que votre dos bouge dans tous les sens. Ça ne doit pas balloter. Hein, vous restez bien fixe. Le dos ne bouge pas. C'est ce qui est important. Voilà. On peut poser la tête. Relâchez votre cou. Faites attention. Laissez bien vos épaules. Ramenez bien vos épaules contre le sol. On continue. On tient le nombril. Hein, on serre le tour de taille. Ça ne doit pas lâcher les reins. Ça ne doit pas forcer dans vos lombaires. Hein. Allez, on continue. Encore. Encore, encore. Serrez le ventre, baissez vos épaules. Aspirez votre nombril. Et les deux. Attention, là je tends. Ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je vais tendre, je vais redresser les épaules. Hop, je reviens. Je pousse. Encore. Et je pose la tête. Je pose la tête. Je reste. Je pose plus la tête, je reste en haut. Les bras sont devant. Attention, le nombril serré. Battement. Vos jambes. Attention. Plus je descends, plus c'est dur. Mais faites attention, ne laissez pas votre dos s'emporter. Serré là. Encore un peu. Un. Si la tête c'est trop dur, vous restez la tête. 5, 6, 7 et 8. Je repose. Je ramène les genoux vers la poitrine. Comme ça, je relâche un petit peu les lombaires. Je souffle. Hop. Je me redresse sur le côté. On va travailler un petit peu la poitrine, le pectoral et en même temps la taille sur le côté. Là, la main est devant. J'enlace avec mon bras de dessous. J'enlace ma taille. Je mets ma main droite devant. Attention à l'épaule qui ne descend pas. Et je repousse le sol. Ça fait. Hop. Et je repose pas l'épaule. Hop. Et je souffle en montant. Attention à votre coude sur le côté. On souffle.
Les jambes sont pliées. Et je reste tout petit, comme si je voulais poser, mais je ne bouge pas. Attention, je retiens. Encore, je tiens la taille. Je retiens, je ne touche pas le sol. Hein. Et je repars. 1, et 2, et je repose. 3, imaginez. 4, vous voulez voir quelque chose qui se passe loin là-bas au fond. Allez, encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Allez, on passe devant. On va mettre les bras devant. On baisse les épaules. Et on va tendre la jambe droite. Attention. 7, 8, devant. Je plie. Je serre le ventre. J'aspire le nombril. Alors, c'est normal, hein, la cuisse va travailler aussi. Hein, et le ventre, les abdos. Essayez d'aspirer votre nombril. 1. Laissez vos épaules. 2. Je mets le profil. 3. Voilà. 4. 5. 6. Serrez, serrez la taille. Restez tendu, point de flex. Soufflez bien. Encore, encore. Serrez la taille, serrez la taille. Et je reviens, je change. Allez, l'autre côté. Alors, le dos est légèrement penché. Pas trop redressé, pas trop bas. Au milieu, en serrant la taille. Laissez vos épaules. Soufflez bien. Et je reste. 1, 2, 3, 4. Encore. Laissez vos épaules, serrez le ventre. Attention, ne lâchez pas. Hein. Ne gonflez pas votre nombril. On revient, on attend. Attention à votre dos. Si vous sentez que vous avez mal au lombaire, vous redressez un tout petit peu. Hein, ça ne doit pas forcément vos lombaires. Serrez le ventre. Encore. Bras devant, 7 et 8 et on revient. On se met de l'autre côté, comme tout à l'heure. On attrape la taille. Les jambes sont fléchies. Un genou, les genoux un contre l'autre, les pieds un contre l'autre. Hop, la main devant. C'est parti pour 2 fois 8. Et je vais chercher le sol. Bon, mais je ne touche pas le sol. Hein. 4, 5, je ne m'appuie pas. 6, je vais flairer le sol. 7, j'appuie avec ma main devant. 8, encore 8. 7, pliez les deux jambes. 5, 4, 1, 3. C'est la partie pour faire les tout petits comme tout à l'heure. En fait, on était resté, on n'avait pas bougé. Faites attention dans tes balles qu'elles ne montent pas. On ne touche pas le sol, hein. On effleure le sol. Encore, on sent votre coude. Bien ouvert. On termine. 2 séries de 8 et c'est fini. Allez. 1, 2, 3. Poussez bien. 4. Appuyez bien. 5, 6, 7. Allez, que 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Et hein, je pense que là, on a fait un petit peu les bras aussi en même temps. Ça va? Allez, on est parti pour les fessiers. On se met sur le dos. La tête allongée, les épaules bien descendues. On ramène les talons vers les fessiers. Bascule de bassin, pubis vers le plafond. Quand on monte, on fait très attention. On fait attention de ne pas lâcher les mains. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bascule mon bassin, pubis vers le ciel et je rentre le côte. D'accord? Et c'est parti. On descend. On monte. On monte. Les fessiers se contractent au moment où on monte le bassin vers le plafond. Et je souffle en montant. Les pieds sont parallèles à peu près écart du bassin. Hein.
Soufflez en montant, serrez bien les fessiers. Contractez bien vos fessiers en montant. Les mains sont au sol. Je veux pas des bras vers le ciel comme ça. Ça, on a tendance à creuser. Mettez bien vos bras le long du corps. Encore, soufflez. Soufflez toujours en montant. Serrez bien vos fessiers. Allez, encore. 1, 2, serrez bien. 3. Allez. On termine. On va rester en haut. Et je reste là-haut, tout petit. Toujours en montrant les côtes. Allez chercher loin, loin, loin avec les doigts. Comme si vous alliez chercher vos talons. Toujours les pieds, écart du bassin, hein, tout petit. Et je fais en deux temps. Descends en deux. Monte en deux, sans toucher le sol. 1, 2, encore. 1, 2. Attention de ne pas pousser les côtes vers le ciel. Baissez-les bien. Soufflez en montant. Et je reste tout petit. Allez, les pieds bien à plat sur le sol, parallèle, écart du bassin toujours. Poussez bien vos talons, presque vous pouvez décoller un petit peu. Le bout des pieds. Et j'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme les genoux. Ouvert, fermé. Je me mets un peu de profil comme ça, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en descendant et fermer en montant. Hop, je resserre en montant. Allez, resserrez bien en montant. Soufflez. Encore, allez. Serre. Serre. Encore. Allez. Travaillez en même temps les adducteurs. Serrez vos fessiers. Encore une fois. Soufflez en montant sans cambrer. Je reste en haut, je bouge pas, serrez. Serrez vos genoux, montez bien les fesses, basculez le bassin. Ne lâchez pas les lombaires, attention si vous avez mal dans le bas du dos, reposez et reprenez. Ne pas avoir mal au dos. Hein. Restez serré. Et maintenant, on va descendre les genoux serrés et on monte en ouvrant. Ça fait le contraire. À chaque fois que je me redresse, je serre bien les fessiers. Je souffle en montant. Baissez bien vos épaules. Hein. Allez, serrez bien les fessiers. Attention de ne pas lâcher les lombaires. Allez, soufflez. Soufflez bien en montant. Rentrez vos côtes. Encore une fois. Allez, 1. 2, je serre bien les fessiers, 3, 4, allez montez bien, 5, serrez, j'ouvre et je ferme, 6, j'ouvre et je ferme, 7, restez là-haut, mettez bien les talons dans le sol, attention de ne pas lâcher les lombaires, bascule le bassin, baissez bien vos épaules, tirez sur le bout des doigts vers le sol, vers les talons, rentrez vos côtes, restez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher les pieds. Pieds joints. Un peu plus de profil. Voilà. Pieds joints, sans bouger. Je vais ouvrir et fermer les genoux. Alors là, ça va travailler aussi les adducteurs. Alors si vous avez mal au dos, mal au lombaire, vous relâchez un petit peu. Hein, vous descendez un petit peu. Même à la rigueur, là, sans toucher le sol. Je ne force plus avec mes lombaires. Hein. Il ne faut pas que ça force avec le dos. Vous continuez en montant, mais en faisant toujours cette fameuse bascule de bassin, en aspirant votre ventre. Et vous restez ouvert. Allez, on reste ouvert. Les fessiers contractés. On baisse bien les épaules. On allonge la nuque.
Serrez. Et c'est reparti. Allez. Soufflez bien. Encore. Soufflez en serrant. Encore. Restez petit, tout petit. Allez, on tient. Attention à votre dos. Et on relâche pas, mais on va décoller le pied. Votre pied droit ou gauche, comme vous voulez. On est parti, on y va. On monte. Deux. Allez, on monte. Allez, encore 8, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je reste, allez. Serrez bien, encore. La jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, et c'est fini, je change de côté. Allez. On monte. 2. On pousse. Attention au dos. 4. 5. 6. 7. 8. Deuxième. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tout petit. 1. 2. Allez, c'est la fin. 3. 4, 5, 6, 7, 8, deuxième, allez. Sept, huit, et on finit. Un, allez, c'est la fin. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dernière fois. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous posez, vous relâchez et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Soufflez. Groupez bien, groupez. Pour ramener votre genou droit vers la poitrine, restez. Tendez votre jambe, soufflez. Restez. Attrapez la pointe de pied si vous pouvez, tirez la pointe de pied vers vous. Comme ça, en même temps, j'essaie de tendre la jambe au maximum. Sinon, vous mettez la main derrière le mollet. Et vous revenez. Changez de côté. Tirez. Tendez votre jambe. Restez. Soufflez. Soufflez, soufflez. Tirez l'arrière de la cuisse. Attrapez la pointe de pied. Allez. Tirez sur votre pointe de pied pour essayer de tirer le mollet en même temps. On revient, on va essayer d'attraper les orteils et de tendre les jambes. Si vous ne pouvez pas vous attraper les chevilles, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les chevilles, hop, et vous restez. Tirez sur vos pointes de pied. Essayez d'allonger le dos, d'allonger la nuque. On revient, je croise une cuisse sur l'autre.
Ramenez bien vos genoux vers la poitrine. Donc, je croise bien cuisse sur cuisse. Hein. Et on revient. On attrape les pieds, on tire les pieds vers la poitrine pour étirer les fessiers. Le fessier de la jambe qui est plié devant la poitrine, devant vous, doit vous tirer un peu plus. Et restez, allongez la nuque. Hein. Soufflez bien. Inversez, changez. Allez, inversez. Attrapez un pied de chaque côté. Les cuisses sur cuisses. Restez, bougez pas. Soufflez. Soufflez. Relâchez bien. Détendez-vous. Soufflez. Et on revient. On passe sur le côté. Voilà. On va se mettre les pieds face à face pour là. Voilà. Le dos bien plat. On va allonger le dos. On va étirer les adducteurs. Les mains derrière. On repousse le sol. Et on ouvre les genoux vers l'extérieur pour étirer l'intérieur des cuisses. Faites-moi une belle posture. Étirez. Imaginez vraiment le fil qui vous étire vers le ciel. Soufflez bien. On attrape les pointes de pied, on étire le dos, on baisse les épaules, on souffle bien, on ouvre les genoux vers l'extérieur, on revient, on referme, on arrondit le dos, on inspire, on étire, on arrondit, on inspire, on passe sur les pieds. On essaye de tendre les jambes et de relâcher la tête. Restez relâchés aux épaules, la tête, les bras. Pliez vos genoux. Déroulez le dos. Déroulez, déroulez, déroulez. Moi, je mets un genou comme ça. Vous me voyez. Vous montez vos bras vers le ciel. Étirez vers le sol. Relâchez le buste vers l'avant. On revient. On inspire. Et on expire. Et je vous remercie. À bientôt.